Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 61e épisode de notre coop Satisfactory avec Exka et Sabdam. Et aujourd'hui, on va rapporter du caoutchouc pour fabriquer nos câbles isolés. Allez, on rentre. Ah, Sabdam, tu pouvais tout aligner là avec des... Attends. En sortie, on a 90 lingots, donc tu pouvais mettre du MK2 et faire tout assembler ensemble en sortie. Tu fais une boucle et tu pouvais tout remettre sur des séparateurs à l'entrée, au niveau des convoyeurs verticaux. Comme pour l'entrée de... Merci Xian pour les clips. Oui, faire la même chose, mais c'était pour... Là, je mettais deux usines pour un... Ça produit combien, là ? Non, j'arrive pas à lire, putain. Je change mes lunettes, je les ai commandées aujourd'hui. Le total, ça fera 90. Je suis en train de réfléchir, messieurs, qu'on va avoir un... Non, mais donc, une pour deux, c'est bon, là, ce que j'ai fait aussi. Non, mais c'est plus compliqué. On va avoir un petit souci avec cette gare inline qui ne peut pas décharger tant que... Tant que ça n'a pas consommé. Est-ce que le train... Ouais, mais non, le train, je crois pas qu'il s'arrête. Je crois pas qu'il attend que ça soit consommé. Et ben, on retire l'attente. Donc, ouais, mais du coup, il peut pas attendre que ce soit consommé. Il va faire des allers-retours pour rien. C'est ça qui est dommage. Si, ça fera des trains en plus sur les rails, c'est bien. Ça consomme. Mais non. Bah si, ça consomme. Oui, ça consomme. Non, mais c'est pas peu. Mais pétage de plomb. Alors, je te montre un truc, SK, comme ça tu sauras, ça lui évitera de. Tu es où, SK? Derrière toi. Ah, c'est la gare, peut-être. Okay. Juste que je regarde comment je fais pour faire l'alimentation électrique. J'enlève les fondations, je sais pas si t'es vers moi. Attends, j'essaie juste de résoudre un truc là. Il y a un passage de sol bizarre. Je remonte, t'es où? Je suis vers les fonderies que t'as installé. Allez. Je te vois. Bon, tu vois, pour faire les. Je prends une poutre. Je mets ma poutre à peu près alignée là où il y aura l'électricité en dessus. Et ouais. Tire ma poutre entre les deux là. Ah, okay. Après tu recouvres, c'est ça? Et après, non, après je recouvre pas maintenant. Après je fais ma liaison électrique. Ouais. Je prends ma liaison ici, hop, et je me mets sur la poutre, là, sur les côtés. Ok. Donc okay. Là, j'arrive à peu près. On n'est pas parfait, mais ça, on n'y arrive pas. C'est où t'es penché d'un côté ou de l'autre, ça c'est... C'est pas mal. Qu'est-ce que vous faites qui vous fait pencher d'un côté ou de l'autre? L'électricité. Et là, je vais tirer toujours un en plus pour pouvoir venir l'alimenter, en fait. Comme ça, je peux recouvrir les fonderies et je peux enlever ma poutre. Yep. Et comme ça, on voit pas l'électricité. Du coup, si on débranche l'électricité par inadvertance, on s'en rend pas compte. Non, tu peux pas le. Parce que faut que t'enlèves les. T'enlèves les sols. Et puis après, si tu enlèves. Oui, de l'usine, tu peux. Et aussi de l'usine, tu peux. Alors. Tu peux défaire aussi de l'usine, ça c'est sûr. Le répartiteur qui est absolument aux normes Sabdam, ça c'est clair. Magnifique. J'ai mis un répartiteur en pente.
le tapis qui sort qui est droit, c'est magnifique. La gravité aide, c'est bien. Ok, t'as fait la gare ou pas Scar? Ouais. Ouais, j'ai juste pas fait de signaux encore. Parce qu'en fait, il faudrait que je voie la taille du train. Mais je pensais peut-être faire une boucle de retour, mais ça... Ouais, remarque, une boucle de retour, c'est faisable s'il y a de la place. Je vais mettre la boucle de retour, et puis ce sera... Il n'y aura même pas besoin de... Comment dire Non, mais... T'embête pas, mais... On met deux locaux, et puis c'est bon. Ouais, mais en fait, avec deux locaux... Oui. Le problème, c'est que ça va prendre plus de place. Ah, ça prend un peu plus de place en longueur, mais pas beaucoup. Ouais, mais c'est déjà trop, en fait, parce qu'il y a un croisement juste à côté. Il y a l'autre train que j'ai déjà dû éloigner un petit peu juste à côté. Bah, l'autre train, il est pas encore utilisé, c'était juste une ligne provisoire pour le test. Donc, ouais, de toute façon, le reste, ce qu'il y a au-delà, je veux dire, ça devrait se supprimer, ça. Non, mais mec, une seule loco, là, c'est bon. En fait, ça passe nickel. J'ai pu faire une boucle. Très simplement. C'est dégueulasse. Alors... Quoi, tu refais la connexion, Sabdam? Ouais, ça me plaît pas. Comment non, bien. S'appelle cette station? Elle va s'appeler... Un synonyme de caoutchouc qui commence par rue. Vous avez... Rubber. Elle... Rue... Beurre. Mais du coup, on est français, donc avec un B-E-U-2-R-E. Oui. Ou elle rubbe. Elle rubber. Effectivement, rubber. Donc ça, c'est la station. Elle rubber. Tu veux bien nous... nommer ta station, XK? Je l'ai nommée. Tu la trouveras facilement. Usine de câble caoutch, c'est ça? Ouais, ça passait pas le nom entier. Ah, mince. Et c'est celle-là. Il m'a pas pris ma modif? Ah, parfois il les prend pas, c'est chiant. Rien. Tu peux le faire deux fois. Hein. Je fais entrer, il l'enlève. Eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne pas plus? Parce que comme j'aime bien faire des choses que tu saches faire aussi. Comme t'aimes bien, je te prends de la tête. Non, mais que vous fassiez... Attends, je pose mes convoyeurs. Pas de soucis. Enfin, continue, hein, je ne m'attends pas, mais je regarderai après. Alors... Non, mais, tu vois l'astuce pour pouvoir... de faire Donc on va attendre que le wagon soit... Est-ce qu'on attend que le wagon soit plein? Non. Un chargement a été effectué. Ou attendre 15 secondes, ouais. On veut charger du caoutchouc. Et si tu as que du caoutchouc qui arrive, t'as pas besoin de lui dire que c'est du caoutchouc. Oui, mais je me dis dans l'absolu, si jamais on finit par faire des trucs plus alambiqués. Éviter un accident. C'est vrai. Et là, par contre, on va à l'autre bout, on va décharger complètement. Ouais, que du caoutchouc. Oui, exactement. Et comme on a chargé que du caoutchouc
et que je précise bien qu'on décharge que du caoutchouc, ça devrait être super doux. Le caoutchouc, c'est fantastique. Non, le plastique. Caoutchouc, c'est super doux. Le caoutchouc, c'est super doux. Le plastique, c'est fantastique. Alors, mon train automatique est à destination d'Elruber. Afin de se sustenter en caoutchouc. Je peux plus klaxonner du coup. Et comme j'étais très loin de la gare, il a mis deux plombes. Il l'a fait à 3 km. Dans le coin là. Ouais, pardon, ça va. Ouais. Bon, regarde XK dans un coin. Qu'est-ce que quoi? Regarde comment. Regarde, regarde comment sont mis ces murs là par rapport aux usines. Oula, ah oui. Donc comment j'ai fait ça en fait? t'es où? Non, j'ai vu. Non, mais tu sais comment le faire ça ou pas? Non, aucune idée. je voulais te montrer. Parce que si tu, demain tu dois construire. Mais ma seule question c'est pourquoi? C'est juste de la déco moi. Non, mais c'est abîmé là, c'est. C'est aligné là simplement, c'est ça. Non, la gare caoutchouc. Oui. Oui Foxy. Je te défie de le mettre en place. Caoutchouc, c'est très bien comme nom. Bah non, mais c'est Elruber maintenant. Ça y est, c'est dit. Il y a mon wagon qui me double. Et il va où? Ah, je voulais descendre. Ouais. Ton wagon te double, il va où? Il suit le chemin à ta place. Ah. Ok, non, j'ai eu un rollback, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Oh là là, les rollbacks, c'est une horreur. C'est difficile. Et plus on fait des constructions complexes, plus ça commence à... Ah, j'ai entendu un bruit que j'aime pas. Un bruit de train? C'est un bruit d'électricité qui chute. Et voilà, vous aviez demandé du caoutchouc? Oui. Et il est arrivé. Cool. Et pourquoi l'électricité chute? C'est une très bonne question. On va peut-être commettre une série de batteries dans le coin, faire un local technique avec des batteries. Ouais, mais là, ouais, c'est ou batterie ou production là qui nous manque. On consomme 2500, on produit 2100. Consommation potentielle. T'as livré le caoutchouc à la rue? 5700, pardon? T'as livré le caoutchouc? Oui. Je le vois pas descendre. Consomme 2700. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bah, y a... non, c'est vide, elle... Ah, c'était pas en une load. Renvoie le train, renvoie le train. C'était pas en une load. Ah bah, c'était moi, le train, il est parti, hein. Ouais, mince. On attendra le prochain. Ah, et moi, si les gares sont pas bien configurées, je peux rien faire. Ah oui, je te comprends. Ah! Et du coup, on peut pas utiliser la même gare pour charger et décharger. Avec cette histoire de unload. Eh ben, faut faire un deuxième tapis derrière et mettre déchargé. Ou charger plutôt. Non, mais non, tu peux pas utiliser la même gare pour charger et décharger. J'ai obligé d'avoir deux gares différentes. Tu peux pas. Oui, oui, exactement. Ouais. Mais tu mets de l'autre côté, du coup. Et tu fais passer ton train dans l'autre sens, c'est ça? Bah ouais. T'as une boucle, tu peux rentrer dans une autre gare, non? Oui, mais autant en manuel, d'accord, en automatique, comment il va savoir qu'il doit se présenter dans la gare, dans un sens ou dans l'autre? Mais la gare, elle a un sens, d'ailleurs, non? C'est toi qui mets ta gare. Oui, et ben là, t'as mis dans deux gares. Et ben dans l'autre sens. Et la deuxième gare, tu la mets dans l'autre sens. Oui, mais c'est bien ce que je dis, t'es obligé de mettre une deuxième gare. Oui, une deuxième gare, oui, tout à fait. Tout à l'heure, tu disais non, tu fais... Non, mais je savais pas, je pensais que tu pouvais faire du unload et du déload sur la même gare. Non, c'est ça qui est dommage.
Ah, c'est logique ceci dit, vu que tu peux pas contrôler derrière toi. Non, mais tu mettes deux. On aurait mis deux déchargeurs. Ah, Foxy, tu veux absolument qu'on nomme la gare en câble de caoutchouc. Mais... ça passera pas, c'est trop long. Ça fait, ouais, déjà. Alors après, il faudra que tu nous expliques la ref, hein, Foxy. Oui, mais sur le Discord. Parce que là, couch. Ouais, non, parce que... non, ça passera pas, c'est trop long. Même si j'enlève usine, je gagne quelques caractères, mais je peux pas mettre chouchou, quoi. Ça me passe pas. Mais juste caoutchouc alors. Comme ça, il y aura au moins la moitié de ce que Foxy a proposé. Ouais, mais il voulait qu'il y ait chouchou. Après, on peut aller le play. Câble caoutchouc. Attends. Ah non, ça passe pas. Ah. Câble caoutchouc. Ça passe comme ça. Voilà. Il est où notre train ? Je ne sais pas où il est notre train. Ah ! Câble caoutchouc. J'aimerais câble caoutchouc. Ah, bah il est près de la rubrique sur cadre. Ah, cool. Donc, il est déjà en chemin, c'est bien. Il ne va pas tarder. Alors, normalement, au convoyeur en dessous, on est bon. Il faut juste rassembler... de l'énergie. Les câbles. Ouais, faut l'énergie. Il faudra qu'on résoudre ce problème d'énergie aussi, mais ouais. Les câbles... je vais mettre la sortie pour les câbles. L'énergie, il va falloir qu'on utilise potentiellement le carburant. Il va falloir qu'on commence à regarder le carburant. Mais... parce que comme il utilise justement les restes de pétrole, de caoutchouc lourd, de caoutchouc, les résidus de pétrole lourd. Oui. En fait, on pourra facilement... on pourrait remplacer les... la plus... remplacer la production de coal par... de coke. De coke. Par une production de carburant. Et... exactement. Et je sais pas combien produit par contre une générateur à carburant. Ça produit 150. Nombres. 150, ça produit donc deux fois plus. Donc on pourrait. C'est pas mal. Alors attends. Coque de pétrole. Hey, m'a fait tomber. Eh pouais. Ça va, t'es pas tombé de haut. 4 pour 12, ça en produit 120 par minute. En coque de pétrole et carburant. Pour 4. 100 produit beaucoup moins, mais combien ça consomme une... générateur à carburant. Ah, quelqu'un aurait deux cadres lourds, deux cadres modulaires lourds sur lui. Négatif. J'ai ça. Ah. Je suis au sous-sol avec cette dame. Ben vous faites quoi dans la cave ? Je t'ai posé les cadres si tu veux. Ah, t'es loin. Attends, je suis là. Ah, t'es là, coucou. Cadre lourd. C'est juste comme ça. Je vais en poser un, je vais regarder ce que ça donne. Voilà. Ils sont beaux, hein. C'était l'usine, en fait, que je voulais poser. Voir ce que ça donnait. Générateur à carburant. Est-ce que je peux te poser, au moins ? Le sol est incliné, trop coûteux. Qu'est-ce qui me manque ? Ah, il me manque deux caoutchoucs. Mais ça tombe bien, dis donc. J'en ai sous la main.
D'ailleurs, ça sort pas, c'est normal? C'est pas alimenté électriquement, c'est peut-être. C'est vrai? Normalement, ça s'alimente pas, les gars. Si ça sort pas, c'est un problème. C'est peut-être mes connexions qui sont pas bonnes. Ce qui serait curieux. En haut, elle est bonne. Je ne sais pas. Ouais, non, mais c'est peut-être que c'est pas rentré. Enfin, que c'est. Où est-ce que c'est censé rentrer? Regarde en dessous, dans les convoyeurs des gaines techniques, si tu vois le. Là, il est sorti. Il va. Il va plus loin là-bas. C'est juste que on en a assez. Ouais, bah, il est pas consommé en fait par. Les machines sont pas alimentées, donc il est pas. Ah consommé. Bah t'as même pas choisi le plan. Non, pas encore. Câblage automatisé. Copier les paramètres. Les quatre, tout en câblage automatisé. Ouais, toute la longueur là. Bah, les trois assembleurs, en vrai. J'en compte 4. Oui, pardon. 4. C'est bon. Je voulais être sûr, hein, parce que... Alors, toi. Oui, pose-toi. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Générateur à carburant. Ça dit pas combien ça consomme. Ah bon? Ça dit pas. Enfin, ça dit ça, ce que ça produit, mais ça dit pas combien il faut de carburant pour. Je peux pas mettre du carburant conditionné pour tester. Mais ça pourrait être le bon plan de remplacer toute la production de coke par de la production de. On a combien de générateurs à coke? Je sais pas, 12 ou 14. Quelques-uns. 12 ou 14. Facile. Ah oui, quand même. Ah mais j'avais grossi la prod. Hein. Ah ouais, j'avais préparé de sorte de faire la totalité. Pour faire simple, je saturais les MK3 à l'époque, donc j'avais dû passer par une deuxième ligne pour alimenter en surplus par l'autre côté. Que j'alimente des lignes à deux points différents pour gérer les surplus sur du M4. Donc ça prenait plus de 270, donc ça devait prendre 300, j'imagine, vu que c'était la production de coke. Ça se fait par 12, donc un multiple de 12, ça ferait 300, ça sera un multiple de 12. Ils sont reliés, les machines. Non, ne les cherche pas, elles sont reliées. Oh. Je les ai reliées de l'autre côté, SK. Ah. Elles sont reliées de l'autre côté. Il y a juste les fonderies qui n'étaient pas. Les fonderies, t'as juste à relier les fonderies et après tout est relié. En fait, Mais où est-ce qu'elles sont reliées? 120 par minute. Il me reste à faire les assembleuses. Attends, j'y suis. Je finis l'électricité. Ça va, je m'occupe de l'électricité. 120 par minute, et j'en avais. Je sais pas si j'en produisais. 360, 480 du coup de coke, mais je sais plus combien ça consommait. Madame, j'ai pas compris, c'est censé être alimenté. Oui, c'est censé alimenter par là. Parce que les fonderies, non, elles sont hors tension. Tu les alimentais pourtant là, non? Bah, j'ai retiré, comme tu m'as dit que. Ah non, mais attends. T'étais en train de terminer, je pensais que. Il y en a une au milieu qui est pas alimentée. De. Quoi? De construire. Oh, le café électrique. Ouais. Machin là. Ah ben c'est ouais, il est pas dessus. Constructeur. Alors attends, okay, c'est bon, je m'en occupe. Yep.
les fonderies, elles produisent pas encore assez pour que ça soit en train de tourner derrière. Non, mais les assembleuses sont pas encore électriquement raccordées. Donc laissez-moi le temps, j'ai encore 30 secondes. 29, 28, 27, voilà. 26, 25. Bon, en attendant, moi je vais rapporter déjà les 40 qu'on a fait. Les 40 quoi ? Les 40... Ah, les 40%. Oui. Très bien, bonne initiative. Et puis comme ça, je vais... Je pense aller à la... au pétrole. On va faire un test. Encore le plus simple. De... D'essence. Ouais. J'ai beaucoup de l'eau. Bonne soirée Xian, bonne nuit à toi. A bientôt. A plus Xian. À la prochaine. Alors du coup, tout est configuré, ouais, c'est juste... Ah, parce que juste l'électricité qui nous manque. C'est pour ça que là, à mon avis, il faut qu'on aille au pétrole pour bosser. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !